ゼルダ無双厄災の目視録前回まではリンク、キレボン Et elle lui a laissé le truc ? Oh, I don't like it. Ça va se retourner contre nous, ça, on le sait. Fiche trouille. Ok. Punaise de facture de zut ! Un linet bleu ! Est-ce que l'un d'entre vous serait, par le plus grand des hasards, on se trouve sous pas ? Parce que nous avons quelques... Prendre ça de quoi ? Oh ! En effet, d'où es-tu sorti ? Shinjitsu wa kono saki ni. Alors avant de commencer le mode histoire que j'ai très très hâte de faire, j'aimerais qu'on refasse un petit point sur ce qu'on sait par rapport à MG6, à Ganon, etc. Parce que je suis un petit peu perdue, je vous avouerai. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que MG6 était dans une boîte dans le laboratoire de Zelda. On sait qu'il s'est réveillé quand il y a eu la catastrophe avec Ganon. Il a ouvert un portail pour remonter le temps. Et avant de sauter dans ce portail, en fait, il y a eu un gardien qui l'a attaqué et la masse noire de Ganon l'a suivi dans le portail. Donc à partir de ce moment-là, moi je reste persuadée que c'est MG6 du futur qui a amené Ganon du futur dans le passé. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre ? On sait que il y a un MG6 du passé qui est aux mains des Higa, de Astor, de cette espèce de magicien qu'on sait pas du tout d'où est-ce qu'il sort. Et ça rime, je ne l'ai pas fait exprès. Mais qui est infesté par Ganon. Astor avait l'air de dire que ce gardien contenait le pouvoir de Ganon. Je sais pas si c'est tout à fait vrai parce que... Enfin, il contenait pas son pouvoir mais contenait Ganon. Parce que normalement, Ganon, il est dans les fondations du château d'Hyrule. Donc, je pense que c'est plutôt une partie de lui parce que tous les autres gardiens se réveillent grâce à cette masse noire qui les infeste. Donc, grâce à une partie de Ganon. Donc le MGC du passé, je pense, a été infesté à cause de MGC du futur qui a remonté le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait d'autre ? On sait que Zelda connaissait MG6 depuis l'enfance, vu que dans un souvenir, on a remarqué qu'il lui chantait la berceuse de Zelda. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en fait ? MG6, comment il a été découvert ? Pourquoi il était avec Zelda quand elle était enfant ? Pourquoi il a disparu, au point qu'elle ne se souvienne plus de lui, hein, parce qu'elle, quand elle l'a vu dans les toutes premières cinématiques, elle ne l'a pas reconnu en fait. C'est quand il a fait sa berceuse qu'elle s'est dit « Ah mais je te connais en fait !» Donc MG6 était bien avec Zelda dès le départ. Il aurait disparu entre temps et fini entre les mains des Higa, dont Astor. Et maintenant il est infesté par la masse noire de Ganon du futur. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Je sais pas si ça explique grand chose. J'ai essayé de faire le tri dans ma tête et de faire le point, mais je vous avoue que je suis quand même un tout petit peu perdue. Parce que MG6, pour le moment, on sait pas... on sait pas d'où il vient, on sait pas qui c'est. Et c'est ça le principal problème. La principale problématique, c'est qu'on sait rien sur lui. Donc j'espère qu'on va en apprendre plus dans cet épisode, avec l'éradication du clan Higa. J'espère qu'on en apprendra un peu plus sur ce pas aussi. J'aime beaucoup ce personnage, mais on le développe pas du tout. Donc voilà. Petite précision, ça fait la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, parce que ça a bugué. Ma jolie caméra à qui je fais coucou s'est arrêtée à peine 1 minute 30 de film, et je ne m'en suis pas aperçue, parce que je pense pas tout le temps à regarder la caméra, ce que je devrais faire plus souvent. Qu'est-ce que ça change ? Je ne suis pas allée au bout de la mission parce que heureusement je m'en suis aperçue avant. Donc c'est bien, je ne suis pas spoilée, normalement mes réactions devraient être toujours assez authentiques, j'espère, ça me fait vraiment chier. Mais ce qui se passe c'est que du coup j'avais libéré 3 missions
annexe qu'on va pas pouvoir faire ensemble, même si bon, ça, c'est juste du blabla, hein, mais voilà, on a fait ça, l'offrande pour une voyageuse démunie. Je me souviens qu'on a amélioré Cinétis. On a fait un truc pour Link, bah celui-là, pile poil, nuisible au centre d'entraînement, ça aussi on l'a fait. Et j'ai débloqué le truc tout en haut là, plein de talent et un gros appétit. Donc le nombre de détections possibles pour la tablette Sheikah a été augmenté. Et je crois que c'était tout, il y avait qu'environ 3 missions. Les petites étoiles, voilà, il faut absolument terminer d'aider tous les habitants des régions. Donc ça c'est pas pour le moment, on peut pas s'en occuper. Il y a pas mal de missions, d'autres quêtes annexes à faire, dont ces trucs-là qu'on fera probablement au prochain épisode. Aujourd'hui, on va vraiment s'occuper du mode histoire et on va croiser les doigts pour que ma caméra ne bug pas une autre fois parce que j'aimerais bien éviter d'avoir à enregistrer cet épisode pour la 3e fois. Ok, donc ça m'a laissé le plat que j'avais cuisiné qui était un vai mitzvoy, donc super. Je ne changerai pas, je vais garder comme j'ai fait parce que Impa, je pense que c'est super important qu'elle soit là. Vu que le clan Iga est une branche dissidente du clan Sheikah, il faut qu'elle soit là pour mettre un terme à tout ça. Je pense que ça lui tient très à cœur, donc on va pas changer pour Livalu et on va partir au combat comme ça. Je pense qu'on est bon. Et ben on va reprendre depuis le début. Oui ? Fait chier. Mais non, t'inquiète pas, c'est la 2e fois qu'on fait le truc, t'as pas à avoir peur, on connaît une bonne partie. Kakuchi no Sheikah Tower wo hokkyū saseta koto de Zelda tachi ga motsu Sheikah Stone wo kaishite Hyrule kakuchi no jōhou wo shunji ni atsumerareru you ni natta. Pulua wa sassoku sono kinō wo ryōu shite Iiga-dan ya 魔物が集結している地点を発見する。ハイラル城への襲撃を未然に防ぐべく、ウルボザが神獣バ・ナボリスを操作し、相当の任に当たることとなった。 まったく。 Mais non, t'en es capable. On l'a déjà fait en plus. Faut que j'en rigole hein, parce que ça m'a tellement fait chier. Il faut bien que je trouve un avantage à refaire ce truc-là une 2e fois. Je vais vous regarder plus souvent. C'est vous qui avez arrêté la caméra parce que vous en avez marre que je me concentre que sur Link, j'en suis sûre. Ne mentez pas. Non. Non. Bon, c'est reparti mon kiki. Ok, on se calme. Ah, ça va. Ça va le faire. Ça va le faire, on va revoir les commandes. Éradication du gang des Iga, c'est parti. Alors, les commandes, 30 secondes s'il te plaît. Alors, coup de tonnerre, fait tomber la foudre dans la direction où vous visez. La puissance de l'attaque est renforcée si la jauge de foudre est remplie jusqu'à un certain niveau. Donc c'est R, c'est ce que j'ai fait là. Tempête électrique, attaque en déployant une décharge électrique tout autour de vous. Maintenez Z pour ajuster le timing, d'accord. Pas de charge, piétine les ennemis en faisant foncer la créature divine. La jauge de foudre se remplit lorsque vous piétinez des ennemis. Coup fatal, déclenche un puissant coup fatal, changez l'orientation et interceptez avec L. D'accord, c'est parti. C'est vraiment incroyable. Oui, alors suivre la carte, évidemment. Ok, allez, on fonce. On est trop près, on est trop près, on est trop près. Oh, pas, 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 pas là. Ok, on va se diriger par là-bas, c'est parti. Ils m'ont lancé des gokoblins à la tronche ou c'est moi qui rêve? Oh! Quand même un peu de mal à la diriger. Hein. Ok.
Un mal d'accord, oui, mais ça va, vu la taille qu'il fait, c'est un moustique, quoi. C'est une fourmi. Tu l'écrases, mademoiselle. Ok, on va foncer un petit peu. Ok, détruis-moi ça. Et ensuite, on part de ce côté-là. C'est parti. Aïe, 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 j'ai pris un coup. C'est pas grave. Oh, le vol d'accord. Normalement, c'est bon à bord, là. Ha, ha. Ok. Intercepté, parfait. Et là, on va tout faire sauter. Boum! Ah non, ça marche pas? Mais... Ah, bon. Je pensais. Ben, c'est pas grave. On va foncer dans le tas. Wouhou! Dégagez! On dégage là et c'est parti. Yes. Franchement, c'est pas la plus chiante à manipuler, Vala Boris. J'ai eu plus de difficultés avec qui j'ai pas aimé. Ruta, je crois. Ruta, j'ai eu du mal. Rudania aussi. Et Medo un petit peu. ゼルダたちはシーカータワーの力を目の当たりにする。バナボリスの活躍によって、イーガダンのアジトへと続く道を開いた一行は勢いに乗り、一気に中へと攻め入るのだった。OK, directement dans le feu de l'action, c'est parti. On est motivé. On n'est pas fatigué. C'est pas parce que ça fait la deuxième fois qu'on vous défonce que on va être plus sympa. Allez, on essaie de refaire aussi clean que notre première tentative. Let's go, chérie. Ouais, non, de toute façon, la Boris ne passe pas dans ces couloirs étroits. Salut. Allez, va-t'en. On n'a vraiment pas le temps, là. On n'a pas besoin que vous veniez nous casser les bonbons dans l'autre sens. Ok. Alors, zoomons sur la mini-carte. C'est par là-bas. Konogu. Il est facile, celui-là. Ok, on retourne un petit peu en arrière, amour. Par là. Non. On s'est trompé, c'est ma faute. Tout va bien, ça va bien se passer. Non. Là. Ah oui, il dresse carrément ses monstres. Ça c'est fucked up. Je suis d'accord avec le robot. Ne dompte pas ce genre de créature. Non, non, non. Ok. Link, sortons d'ici. Ah oui. Ça, je m'en suis souvenue. Non pas que je me suis fait toucher la dernière fois que j'y suis allée, mais juste que je ne comprenais pas d'où venait ce bruit. Donc maintenant je sais d'où ça vient. Et je ne me fais pas avoir. De toute façon, j'ai bien failli me jeter dedans. Mais genre, vraiment, nous jeter dedans, Link. Absolument pas. Je t'aime vivant, chérie. Pas embroché comme une saucisse. Ou une brochette. Oui, ce sont des fans de bananes, je pense que nous le savions depuis Breath of the Wild. Développé chérie. Sauf que, si vous ne connaissez pas les propriétés de la banane, ça a des propriétés somnolentes. C'est une sorte de somnifère. Donc, nous pouvons en conclure que si ces pauvres garçons ou femmes ne sont pas très éveillés, c'est parce qu'ils mangent trop de bananes. Où va-t-on? Là-bas.
Et laissez-la tranquille là. Ça se fait pas d'acculer une femme dans un. Oh! Dans un coin sombre d'un endroit. Oh, ok. Allez-vous-en. S'il vous plaît. Ceci est fermé. Voilà la technique pour les tuer s'ils vous chargent une petite bombe dans la gueule. Ça fait pas de mal. Ok. Vraiment, on n'a pas exploré ce. Oh, le framerate en bas. Oh, c'est pas très joli. J'ai vraiment l'impression d'être dans une autre. Dans un autre repère. Parce que ça, on l'a pas du tout exploré dans Breath of the Wild. Après, vous me direz, vu qu'on a tout cassé, c'est peut-être normal qu'il reste plus beaucoup de pièces à visiter quand on y vient avec Link dans le futur. Allez, on dégage. Oh, salut. Hi. Super. Ça, c'est done. Oh. On n'a pas le temps de s'occuper de vous. On a une éclaireuse à secourir. Enfin, j'ai le temps de m'occuper des Korugu par contre. Ça, c'est. Je suis désolée. Korugu passe avant tout. Alors, c'est parti. Salut. Au revoir. Oh, on est pas là. Oh. Nice! Ok! Où est-ce que tu te caches, Koroga? Viens te frotter à nous si t'es un homme. Ou si t'es une femme, parce que c'est une expression totalement sexiste. Viens juste te frotter à nous tout court. Et on va te défoncer la tronche. Ok. Bon! Faut pas que j'oublie qu'il faut pas que je sois trop loin, sinon ça ne marche pas. Là. Dead. Ling, tu es un petit peu... Oh. C'était très beau ce que tu as fait, chérie. Alors, où est-ce qu'elle est notre éclaireuse? On y est presque. Hey, salut. T'as besoin d'un coup de main? Tu vas me dire que tu passes pas entre les... Regarde, Link, il passe. Bon, Link, il est plus petit, mais... Quand même. Je suis sûre que tu pourrais passer entre les... barreaux de bois. Mmh. Ah. Ok. On se doutait qu'il fallait le tuer. Mais merci de nous le répéter. Très gentil. Bien. Alors, la clé de la porte secrète. Où ça? Ah. Oh. Ah. Parfait. Poursuivant notre haut. Oh. Super. Je t'attendais. J'avais très envie de te voir. Est-ce que tu veux pas nous parler un petit peu de toi? Nous dire qu'est-ce qui t'a amené ici, comment tu as pu devenir un officier Liga aussi fort sans devenir le chef? Parce que t'es largement plus fort que Koga. Alors, ça te dit pas de nous dire ton curriculum vitae, ton CV? Tu veux pas? Non. Pas très bavard. Hein. C'est vrai. Parce que je t'aime beaucoup, tu sais. Wow. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, très classe. C'est une nouvelle technique, ça. Tu ne l'avais pas avant. Mm-hmm. Aïe, je suis désolée. Ou pas. Il faut qu'on te... Pas qu'on te tue, mais qu'on te batte, petit soupa. Non, je connais cette technique.
Tu ne l'as pas amélioré depuis la dernière fois. Au revoir. Cet entretien fut fort intéressant. Non mais, on ne joue pas ce pas. Au contraire, moi je te prends grave au sérieux. C'est toi qui me prends pas au sérieux là. Bon. Continuons. Nous y sommes presque. Je vérifie de temps en temps que ça... Oh, j'avais oublié. Que ça enregistre toujours. Ça va, ça vous stresse pas trop que je vous regarde dans le blanc des yeux un petit peu plus souvent? Ok. C'est bon. Cessons de faire l'idiote. Nous avons un Koga à mater ici. Oh, on connaît ça. Salut. Ne t'approche pas trop de Link, s'il te plaît. T'étais beaucoup trop près là. T'es vraiment un grand guignol. Hein. Tu devrais former le cirque du clan Iga. C'est pas mal, ça me redonne la banane vu qu'ils aiment ça. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est vraiment des entrées théâtrales, il aurait dû finir dans un cirque ce mec. Allez. Pour qui on se prend? Pour nous-mêmes, je crois. Car même avec Link niveau 60, on fait pas des dégâts monstrueux. Hein. Link, écarte-toi de lui, chérie. Il est particulièrement répugnant. Qu'est-ce qui se passe? T'es encore là, Koga. Dis-moi, tu... Oh, this is gonna be a bit complicated, I think, but on peut toujours y arriver. Oh là 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 là. Qui en fait? Allez, parce que là... Voilà, toi c'est bon. Ah. T'en vas pas, Koga? Attends, on n'a pas parlé, on n'a pas discuté, s'il te plaît. Reviens. Donc il fallait bien s'occuper de Koga d'abord, parce que ça n'arrêtait pas le truc. J'ai bien fait de rester sur moi. Oh, on n'a jamais été aussi riche de notre vie. Mon amour, on va pouvoir s'acheter une maison. Eh ben... Oh! Velouté de viande et boulette aux herbes, génial! Hé! すべては定めよ。この敗北さえもな。え?あくまでも私と手を切るというならば、それは厄災ガノンを敵に回すということ。それでよい。我が大門のため。 Iga-dan, n'acte-t-il pas, n'a-t-il 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 pas,
Je suis toujours aussi perplexe. Chika Tower, ne? Nakanaka yakunitatsu janai ka. Sou desho. Sore kara wasureta ikenai no ga. Ah, ça y est, la téléportation. Génial. ごめん。でもこの機能は興味深いでしょ。まあ今のところは運べる人数も少ないし移動先も限られてはいるけど研究が進めばもっと役立てられるかも。ありがたいことに近頃は研究員の数もだいぶ増やしてもらえたし。 私たちでどんどん研究を進めないとね。心強いです。あなたがいればきっと。 いえ、頼りにしていますからね、プルは。 Quelques missions. Je sais pas si on pourra en faire. Ok. Escorte jusqu'à la source. Ah, ça doit être quand elle va à la source de la sagesse. Ou c'est la source du courage, ça, non? Je crois que c'est la source du courage. Ok, et ça c'est quoi? Épreuve antique. Eh ben, on va avoir plein de choses à faire. On va faire juste les petites missions qui sont déjà débloquables, là. Fera toujours ça de gagner. Leçon de cuisine des monstres. Les bokoblins maîtrisent l'art de la rôtisserie à la perfection. Observez-les attentivement pour apprendre à mieux cuisiner les grosses pièces de viande. Mais il vaut mieux rester discret. Emplacement pour les palas plus 1. Bon. Vous avez appris à cuisiner comme les bokoblins. Il semblerait que la préparation de la viande et la maîtrise délicate de la température soient cruciales. Continuez sur cette voie. Ok. Bon, ok. On va avoir d'autres places. C'est toujours pas... toujours ça de prix. Alors, on va en prendre un là. Remède pour le mal du pays. Une jeune fille originaire du village de Cocorico a le mal du pays. Préparez-lui un plat chaud qui lui rappellera son village natal. Vous avez réussi à trouver la recette du ragoût de carottes préparé à partir des fameuses carottes tempo du village de Cocorico. Cela remontera à coup sûr le moral de la jeune fille. Ah, un ragoût de carottes, super. Ça avait l'air d'être un truc bien, j'ai pas lu. C'est pas grave. En l'honneur du prodige, pour célébrer l'intronisation de Mifa comme prodige, une cérémonie va avoir lieu au domaine Zora. Pour que la fête brille de mille feux, vous avez décidé d'offrir des gemmes Nox au domaine. Dans la lumière des gemmes Nox, Mifa était encore plus belle que d'habitude. Après la fête, elle en a même ramené une chez elle pour décorer sa chambre. Trop mignon. Un cœur de plus. Bien. Exercice d'entraînement au vol. Un Korugu portant une grande feuille se lamente d'être le seul à ne pas savoir voler correctement. Pour apprendre à voler, rien de mieux qu'un courant ascendant. Créez-en un avec du feu. Vous avez créé un courant ascendant en allumant un feu. Le Korugu s'en est servi et a réussi à voler. Les leçons de vol qu'il a prévu de prendre avec Noya devraient donner de bons résultats. Ok, un nouveau combo pour Noya. Nice. Est-ce qu'on a une autre mission? Je crois qu'on n'a qu'une en haut et ça sera tout. Ouais, c'est... Ah non, il y a une mission antique là-bas qu'on peut faire. Eh bien, on va essayer. Message à la façon Goron. Les Gorons veulent ouvrir une cabane de massage pour soulager les mineurs de la montagne de la mort. Aidez-les à réunir les fonds nécessaires pour qu'ils puissent dire adieu au mal de dos. Nos sous! La cabane de massage est terminée. Le premier à pouvoir l'essayer est le champion des Gorons, Dalkeu. Une fois ses muscles bien délassés, il sera certainement au sommet de sa forme. Yes, des cœurs en plus.
Nice. Ok. celui-là. Ah, c'est une épreuve du guide Miss Kyoza qui est débloquée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut la faire tout de suite? Ouais, on va se méfier. Si jamais il faut la faire tout de suite, je pense qu'on va attendre. Bon, ben au prochain épisode, on s'occupera de faire un petit peu des missions pour déblayer à nouveau la carte. Le mystère reste vraiment entier. Les informations sont données au compte-gouttes. C'est très frustrant pour moi. On en sait vraiment super peu. Je suppose que ça va être dans les dernières missions de l'histoire qu'on va avoir le fin mot de l'histoire, c'est le cas de le dire. Je sais à peu près qu'on est à la moitié, déjà, du mode histoire. Donc ça avance, mais... punaise, je me pose encore trop de questions.